On est très énervés, là. Personnellement, je tremble de l'intérieur, mais ça représente beaucoup. Ça nous pousse à aller plus loin, puis on est, en tout cas, moi, je suis bien heureuse. En fait, c'est tous nos efforts de l'année qui ont été concrétisés par un beau trophée, puis on est très heureux de ça. Oui, dans le fond, c'est une des plus belles récompenses qu'on pouvait recevoir. C'est la reconnaissance de nos pères qui sont dans la région. Puis, je m'y attendais pas, mais ça fait du bien de le savoir. Donc, c'est ça. C'est une belle année passée avec plein de gens qui ont la même passion. Puis, on arrive à concrétiser notre rêve avec un beau prix. Donc, merci à tout le monde. Puis, on va continuer, c'est certain, à chanter. Moi, je pense à toutes les heures où on est dans notre local, puis qu'on pratique, Puis, souvent, le spectacle, c'est court. Je pense qu'un trophée, ça fait durer le plaisir encore plus. Et puis... c'est une belle récompense. Bien, je dirais qu'à l'approche de notre 15e anniversaire, c'est juste comme l'élan qui va nous swinguer vraiment jusqu'au 15e. C'est une belle aventure, vraiment, le cœur gospel. Puis c'est juste la petite tape dans le dos là, qui fait du bien, qui dit « on lâche pas, puis on continue ». Bon, David, est-ce que tu peux nous parler de ta performance? Pourquoi qu'on t'a remis ce trophée-là? Qu'est-ce que t'as fait cette année qui a impressionné le jury? Ben, pendant toute l'année, dans les compétitions québécoises, j'ai performé, justement, j'ai toujours bien arrivé. Puis à la fin de l'année, au championnat canadien 2009, j'ai très bien performé. J'ai arrivé deuxième. Oh, wow. Puis j'ai fait des finales à chaque appareil. Maïté, parle-nous de qu'est-ce que ça représente pour toi, le trophée Gryffondor? C'est une grande fierté pour moi parce que c'est beaucoup de travail dans le domaine de la télévision, puis ça demande beaucoup de persévérance, puis de courage, si on veut. Puis c'est vraiment quelque chose de gros pour moi. Ça représente ma ville, puis c'est comme un cadeau, puis une reconnaissance, si on veut. Donc, on te souhaite un avenir florissant. Bien, merci beaucoup. On te félicite aujourd'hui pour ton engagement social, mais qu'est-ce que tu as fait exactement? Ben, j'ai été à Emma Québec. Je les ai aidés souvent parce que, genre, j'ai été 2 années de suite parce que je trouvais que c'était important. Puis, je fais du bénévolat parce que ça me rend fier. Parce que c'est important pour moi. Ça me donne le goût, genre, de sauter partout, là. Parce que c'est énervant, là, gagner un trophée, là. Surtout quand on a 15 ans. C'est fou. Vous savez, quand on parle d'engagement social chez les jeunes, je pense qu'il y a bien décrit. Ça, il parlait de fierté. Je pense que c'est bon. Et cette image-là, si elle va chez tous les autres jeunes, Maxime, ça va être vrai. Dino est félicité pour son engagement social au niveau du bénévolat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste, dans le fond, votre engagement social? Mon engagement social, j'étais avec l'association de baseball BLRT, une association qu'on avait environ 225 jeunes cette année. On a organisé des danses, on a organisé des saisons pendant tout l'hiver pour que les enfants restent accrochés pareil au baseball. C'est le plus beaucoup de temps qu'on peut se faire ça. Tous les dimanches, on était dans des gymnases, environ 3 heures de temps avec des jeunes de différents âges. On a fait environ 4 danses durant notre année aussi pour recueillir des fonds pour qu'on puisse donner une inscription à moindre coût pour les jeunes de notre secteur. Donc, pour vous, un trophée comme celui-ci, comme celui du Gala du Gryffondor, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, ça représente que ça vaut la peine des fois de donner de notre temps pour recevoir rien, puis finalement, on reçoit quelque chose en arrière. Tu sais, c'est le fun pareil. Là. Je suis en compagnie du maire de la ville de Terrebonne. Monsieur Jean-Marc, je voulais savoir, pour vous, le Gryffondor, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, c'est une occasion extraordinaire de mettre en évidence des gens qui, de par leurs actions, de par leur implication dans divers secteurs d'activité de la ville, se démarquent.
par l'excellence, à force de travail, à force de détermination, et qui représentent pour nous des symboles de ce que peut être l'excellence au niveau d'une ville. Alors, on est une ville qui regorge de beaucoup de talents, des talents extraordinaires, et on sait fort bien qu'il y a une maxime qui dit que nul n'est prophète de son pays. Et souvent, lorsqu'on a du talent, on a de la réussite, on est toujours reconnu ailleurs, autre que chez soi. Mm-hmm. Mais être reconnu dans ton milieu où tu as grandi, être reconnu par tes pairs, c'est une motivation qui est tout à fait extraordinaire et qui encourage ces gens-là à aller plus loin. Mais surtout aussi, une belle occasion de montrer qu'il se fait des belles choses dans la communauté et c'est une source d'inspiration, je pense, pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes de Terrebonne. Oui, c'est vraiment fantastique. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.